Soyez bienvenue dans votre taroscope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Cancer, la Lune en Cancer. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus, évidemment, si vous avez envie. Moi, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos, comme ça vous regarderez la vidéo pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça aussi, vous aurez un horoscope complet. Sinon, je vous propose dans cette vidéo d'aller voir un peu les énergies pour vous sur tous les domaines de vie. On va approfondir aussi le domaine sentimental dans la deuxième partie de la vidéo. Sinon, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis les cancers, on va démarrer avec cette carte qui va nous donner un peu l'énergie, la tendance, les énergies autour de vous sur ce mois-là. Alors, on a la carte de la tour. La carte de la tour, elle va nous parler souvent de changements, des fois inattendus. À la limite, la plupart des temps, c'est vraiment le type de changement qui peut être un peu inattendu. Mais c'est vrai qu'ici, avec cette carte-là, on va parler souvent d'un avant et d'un après. D'accord. Donc vraiment, on peut parler, si vous voulez, d'une situation qui va changer d'une manière, par exemple, définitive, hein, dans le travail, dans une relation, dans la famille peut-être, dans des projets d'ordre financier ou autre. Évidemment, cette carte-là, voilà, donc on peut s'attendre ici à du mouvement, on peut s'attendre vraiment à du changement, que ce soit quelque chose que vous vous mettez en place ou pas. Je pense que ce mois-là, ce sera un mois, si vous voulez, qui peut marquer votre année, l'année 2023. Par exemple, si j'y vois souvent avec cette carte l'énergie de déménagement, par exemple, hein, on peut parler de déménagement, on peut parler vraiment de gros changements au niveau de la carrière. Ça peut être déjà une mutation, ça peut être vraiment l'idée de, voilà, de se séparer d'un contrat et pour peut-être commencer ailleurs ou possiblement, pourquoi pas, changer complètement de voie professionnelle, etc. Dans le cadre sentimental relationnel, cette carte-là, elle peut prédire une séparation. Des fois un divorce, quelque chose aussi des fois qui peut monter en surface, comme par exemple de grosses révélations. Ça peut être aussi par exemple des secrets du passé, voyez, ce genre de choses, parce que c'est une carte aussi également qui va parler d'éléments, d'un élément surprenant, d'un élément de surprise, d'accord, voilà. Et d'ailleurs aussi, moi je pense que ça, c'est pas une énergie qui vous concerne uniquement à vous mes amis les cancers, parce que ça peut concerner aussi votre famille, ça peut concerner par exemple un partenariat professionnel, parce que comme vous voyez bien sur la carte, on n'a pas qu'une seule personne, hein. On a déjà deux personnes ici, à la limite d'après ce qu'on voit ici. Voilà. Alors, on va commencer maintenant l'interprétation avec le tarot pour parler un petit peu de vous, votre état d'esprit et votre évolution personnelle. Alors déjà ici, on voit bien que c'est magnifique quand même d'avoir le 10 de coupe au niveau d'un état d'esprit, parce que là, on va parler quand même d'une attitude très positive. On voit bien aussi que ce mois-là, vous serez plutôt axé, concentré, famille, foyer, enfant. Alors peut-être que vous avez des projets de famille, ça peut être aussi parce que vous déménagez, comme on a vu tout à l'heure, donc on va s'occuper un petit peu de sa maison, la déco, peut-être aussi vous êtes en train de faire de la réno chez vous. Ça peut être tout simplement des projets, par exemple, d'avoir des enfants, etc., d'élargir aussi un peu sa famille. Pour certaines personnes aussi, ça peut être des déménagements ou des projets d'emménagement avec l'autre, hein, vous voyez bien. Parce que là, je pense que dans votre tête, déjà, il y a...
comme je viens de vous le dire, le 10 de Pentacle, le 10 de coupe, c'est en général le bonheur. Vous voyez, c'est vraiment le bonheur ultime, si vous voulez. Surtout ici, c'est le bonheur qu'on partage avec les autres. Donc, on voit bien ici que vous serez, si vous voulez, dans des vibrations, dans des énergies qui seront extrêmement positives. Mais c'est vrai que là, on peut se concentrer un petit peu sur la famille. Alors, pas que vous, par exemple, mais forcément, vous allez peut-être prendre soin de, vous voyez, de votre famille. Il y a des projets, peut-être que vous allez décider de passer davantage du temps chez vous. Je ne sais pas, par exemple, en faisant plus de télétravail, ce genre de choses. Par contre, ici, on voit bien dans votre évolution qu'il y a quelque chose apparemment... Alors, parce que cette carte-là, ce n'est pas vraiment négative en soi. Ça dépend de comment on l'interprète et aussi les cartes tour. Parce que cette carte-là, des fois, elle peut parler de la fatigue. D'accord ? Donc, vraiment, on est fatigué, tout simplement. Il faut prendre bien soin de soi. Et il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut reprendre. Si on a vraiment beaucoup de projets avec la famille, beaucoup de choses à faire, même si ça nous fait plaisir, bah des fois, évidemment, ça bouffe énormément d'énergie. Dans le sujet, par exemple, de déménagement, bien que c'est quelque chose qu'on aime bien, peut-être parce que vous achetez votre maison, c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, mais ça n'empêche, c'est quelque chose aussi de fatigant. Maintenant, l'autre côté de cette carte, c'est que des fois, ça peut parler vraiment de la persévérance. Donc il y a quelque chose que vous jugez très important pour vous dans votre vie. Alors apparemment c'est pas facile à mettre en place, c'est pas facile peut-être à concrétiser. On voit bien qu'il y aura peut-être des défis, mais par contre ça vaut absolument la peine à vos yeux. D'accord ? Donc vous jugez que c'est tout à fait, voilà, hein, on s'en fout, tant pis, mais on va y arriver. D'accord ? Voilà, donc vous me dites après de quoi il s'agit, mais vraiment c'est un petit peu l'énergie qu'on ressent ici avec ces cartes. Alors maintenant sur le côté sentimental qu'on va un peu approfondir après sur la deuxième partie de la vidéo. Alors ici on a le 7. Alors le 7, cette carte, ça invite tout souvent si vous voulez à la prudence. Parce que des fois ça peut être aussi, si vous voulez, on se trahit soi-même. D'accord ? Parce que voilà, on se plonge, si vous voulez, dans des énergies de peur, dans des énergies d'auto-sabotage, dans des énergies de pensées limitantes, dans des énergies d'auto-critique, etc. Même si par exemple on est bien, on est avec quelqu'un qui est bien pour nous, etc. Des fois, on peut, si vous voulez, se trahir soi-même. D'accord ? On peut laisser quelque part nos peurs du passé, nos blessures, nous influencer et peut-être, voilà, on peut auto-saboter quelque part quelque chose qui est très, très, très beau quand même. Bon, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Maintenant, c'est une carte qui peut évidemment montrer quelqu'un dans votre entourage, peut-être qui n'est pas forcément sincère et honnête avec vous. C'est pas forcément la personne avec laquelle vous êtes, mais ça peut être quelqu'un dans l'entourage, peut-être qui vous cache quelque chose. N'oubliez pas qu'avec la tour, on peut parler de révélation, on peut parler vraiment des choses qui peuvent voir le jour. Ça peut être un choc, ça peut être quelque chose vraiment de très surprenant, ça peut être un bouleversement, mais c'est vrai que finalement, il peut y avoir la possibilité qu'on peut mettre de la lumière sur quelque chose qui n'est pas tout à fait clair aujourd'hui. D'accord ? Alors après, donc ici, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un prochainement, faites attention parce que cette personne, fort probable, c'est quelqu'un qui vous cache un peu des choses. Alors peut-être que vous ne connaissez pas tout dans la vie de cette personne, peut-être quelqu'un aussi qui est ouvert à d'autres relations en parallèle, peut-être quelqu'un qui a déjà peut-être des enfants, il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Par contre, voilà, on vous cache par exemple ce détail-là. Donc faites un peu attention parce que c'est une énergie souvent de déception. D'accord ? Allez, en ce qui concerne la carrière, le travail, la vie active, alors là, pour moi, j'ai comme un retour de quelque chose pour vous. Un retour peut-être, vous voyez, une forme de reconnaissance, une forme peut-être de prime, de cadeau, augmentation de salaire. Peut-être qu'on va vous proposer aussi un poste, par exemple, qui sera beaucoup plus intéressant. Avec cette énergie-là, c'est qu'il y a l'idée d'un retour par rapport à un investissement ou par rapport à des efforts que vous avez déjà fait. Donc, vous avez peut-être, voilà, aidé quelqu'un, vous avez fait quelque chose, vous avez déjà initié peut-être des démarches de votre part. Maintenant, c'est votre tour d'être aidé. Maintenant, c'est votre tour de récolter ces fruits-là. Vous voyez, donc ça peut vous parler avec des façons différentes. Pour certains, voilà, ça peut être une simple reconnaissance. Pour d'autres, ça peut être une augmentation de salaire, un bonus, un prime. Pour certaines personnes aussi, on peut parler également avec cette carte-là de la possibilité d'un partenariat. D'accord ? Parce qu'on peut être ici, par exemple, dans le cadre d'investisseurs. Hein, vous voyez bien, on peut parler, par exemple, du fait que vous allez vous investir avec quelqu'un ou quelqu'un qui va s'investir dans un projet qui vous tient à cœur, ce genre de choses. Parce que cette carte, des fois, elle peut parler justement d'argent. Hein,
donc je donne de l'argent à quelqu'un ou tout simplement je reçois de l'argent. Voilà. En dehors de ça, c'est une énergie d'équilibre en fait, hein. C'est une énergie vraiment tranquille, d'équilibre. Peut-être que vous allez reprendre petit à petit votre petit train-train. Ça peut être aussi l'idée vraiment de reprendre peut-être une activité, mais finalement on voit bien que ça bouffe pas trop de votre temps, de votre énergie, de vos responsabilités par rapport à la famille, hein, vous gérez, voyez. Donc c'est une énergie en général qui est pour moi très 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 agréable quand même. En ce qui concerne les finances, donc pour moi, je vois des projets. Je vois des projets, des entreprises, je vois aussi des démarches. Alors avec cette carte-là, vous pouvez recevoir une proposition. Mais on voit bien aussi que si jamais vous avez des idées dans la tête, des choses que vous avez envie de mettre en place, il est fort probable que vous allez vous lancer ce mois-là, à la limite pour initier quelque chose. Parce qu'avec cette carte-là, on peut parler, si vous voulez, des premiers pas, d'accord ? Donc peut-être qu'on n'est pas vraiment dans un stade très mature au niveau de ce projet. Par contre, on peut déjà démarrer, lancer quelque chose. Mais aussi, c'est une carte évidemment qui peut parler d'un acte d'altruisme envers vous, d'un acte d'aide, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous donne un bon conseil, quelqu'un qui sera là pour vous. Hein, voilà, ça peut être carrément une aide financière pour certains. Dans d'autres cas, cette carte-là, pour moi, je vois comme un soutien que vous allez pouvoir recevoir de votre partenaire, en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes investi sentimentalement parlant, mais cette personne peut-être, elle vous soutient financièrement parlant aussi, hein, d'accord, donc ça peut être vraiment ce genre de scénario par exemple, hein, voyez, voilà. Alors, on va parler maintenant de votre entourage. Alors bon, pour moi, je pense vraiment que la carte de la tour, elle est un petit peu, en regardant vraiment tous les domaines de vie, je pense que pour la plupart parmi vous, mes amis les cancers, ça va vraiment vous parler plutôt dans le domaine relationnel, sentimental, familial, mais aussi l'entourage, le social, parce que selon les cartes que je vois, je pense que c'est là où je vois un petit peu de connexion, parce qu'avec l'entourage ici, on voit bien que vous partez vers quelque chose d'autre, vous quittez quelque chose, hein. Ça peut être vous quittez quelqu'un, vous quittez une relation, vous quittez un entourage, un groupe de personnes, une association, une relation sentimentale, amicale, etc. Dans le cas de déménagement aussi, c'est tout à fait logique, hein, vous allez quitter votre ancien entourage. Parce que là, on voit bien que c'est un choix que vous allez faire tout en étant, si vous voulez, sûr que apparemment c'est le bon choix pour vous, d'accord ? Parce qu'on voit bien que vous avez atteint un certain niveau de satisfaction, vous avez atteint un certain niveau peut-être d'accomplissement dans votre vie, et maintenant c'est le moment de passer à autre chose. Donc je pense aussi, même si c'est un choix que vous allez peut-être devoir prendre vous-même, mais vous allez prendre ce choix-là avec conviction, hein, avec vraiment conviction 100%, et je ne vois pas ici de regret, je ne vois pas de remords, je ne vois pas de tristesse, parce que je pense peut-être que vous avez pris votre temps pour aujourd'hui finir avec cette décision, si vous voulez, hein, d'accord. Donc comment je vois un peu la connexion entre les deux, donc possible que vous allez découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un, vous allez pouvoir peut-être révéler, on va vous révéler quelque chose, et ça peut changer si vous voulez votre attitude, votre façon, hein, voyez, de gérer une relation avec quelqu'un, d'accord. Donc peut-être vous allez décider après ça, évidemment, de quitter, de passer vers quelque chose d'autre, hein. Je prends l'exemple ici, par exemple, dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un licenciement ou une rupture, que ce soit conventionnel ou autre, là on décide de partir vers quelque chose d'autre, hein. Voilà, c'est tout à fait logique en fait, hein. Allez, en ce qui concerne ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, alors soit ici on me montre bien une personne en particulier qui va jouer un rôle très 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 important pour vous sur ce mois-là. J'ai une personne qui a vraiment une énergie qui est très 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 maternante. Des fois ça peut représenter une figure maternelle dans votre vie, tout simplement, mais aussi pour moi je pense que c'est vraiment l'abondance, c'est l'idée aussi de se connecter avec l'énergie de l'abondance, c'est l'idée aussi de garder toujours un état d'esprit positif, ou à la limite le plus souvent un état d'esprit positif. Je pense aussi ce qui peut vous aider également dans votre vie, mes amis les cancers, c'est de vous connecter à la terre mère, d'accord. Donc peut-être voilà, je sais pas moi, essayez de voir dans votre régime alimentaire si vous pouvez par exemple éliminer tout ce qui est chimique, tout ce qui est vraiment des produits et qui sont pas naturels
naturelle et les remplacer par quelque chose justement de bio, de naturel, etc., qui peut vous faire du bien, voilà, par rapport à votre corps physique et par rapport à votre alimentation. Peut-être aussi l'idée tout simplement de passer davantage du temps dans la nature, avec des balades, peut-être vous allez déménager à la campagne. Donc ici vraiment on a voyez l'élément terre, la terre aussi, hein, la terre, la nature, la terre-mère, notre planète, c'est quelque chose de très 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 important ici. Je pense que si vous allez vous connecter à cette énergie là, ça va vous faire du bien fou, je pense, hein, voyez. Écartez-vous de tout ce qui est vraiment n'est pas sain, n'est pas bien pour vous, pour votre alimentation, pour votre corps, pour votre santé aussi, que ce soit santé morale, santé physique et santé également psychologique et psychique. Peut-être, voilà, et vous écartez de tout ce qui est consommation d'alcool, consommation de substances, etc., etc. Alors, en ce qui concerne maintenant le défi ou le conseil, évidemment, pour vous, mes amis. Alors, je pense ici, le défi pour vous, c'est vraiment de pouvoir patienter, de ne pas précipiter les choses, de savoir aussi accepter, hein, le flux naturel de certains événements, de certaines, voyez, peut-être situations qui se passent actuellement dans votre vie. Ne pas presser, ne pas précipiter les choses. Donc, vraiment, faites-vous confiance et laissez-vous aller. Avec cette carte aussi, je pense, pour certaines personnes, on vous dit tout simplement de viser sur le long terme, d'accord, c'est ça le conseil, la patience et le fait également de pouvoir viser sur le long terme avec cette carte là parce que des fois j'y vois aussi l'énergie d'un investissement quand on s'investit dans quelque chose, des fois peut-être pas pour un résultat immédiat, mais peut-être, par exemple, dans le temps, que ce soit en termes de mois ou en termes d'années, on pourrait avoir un résultat qui sera beaucoup beaucoup significatif. D'accord ? Voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais surtout ici, on vous dit de patienter et de persévérer, mes amis, les cancers. La persévérance, elle ressort quand même aussi un peu à deux reprises minimum dans votre tirage, donc je pense quand même que c'est très important pour vous sur ce mois-là. Alors, dans le dos de deck, le page de bâton, le page de pentacle, pour moi, ça va me parler des projets d'ordre financier ou autre, hein, d'une reprise aussi de contact, de communication, peut-être des démarches de votre part, hein, pour peut-être lancer un projet ou carrément par exemple des entretiens, le fait de passer des entretiens pour du travail, etc. D'accord ? Voilà. Allez, on va laisser de la place maintenant pour le sentimental. On va seulement garder cette carte-là pour le domaine sentimental ici. On verra bien s'il y aura d'autres clarifications justement par rapport à tout ça. Allez, mes amis, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Votre évolution sentimentale. Alors ici, ça peut me montrer une personne qui est née sous un signe de terre. Ça peut être votre partenaire, quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être prochainement. On peut parler de Vierge, de Capricorne ou de Taureau. Alors ici, ça peut être en signe solaire ou en signe ascendant, vous voyez bien. J'ai aussi le soleil. Le soleil, c'est une très belle énergie. Ça peut être vraiment l'énergie de la clarté, du bonheur, l'amour. Je pense ici, pour certaines personnes, il y a quelque chose de très rapide, hein, qui va se passer ce mois-là pour vous. Ça peut être vraiment une rencontre très rapide. Je vois aussi le signe de Lion qui ressort aussi également dans ce tirage. Mais vraiment, on a une énergie très, très, très rapide. Voilà, une nouvelle passion, vous voyez bien, un nouveau départ. Clairement, ici des énergies d'une nouvelle rencontre, quelqu'un peut-être que vous allez pouvoir rencontrer, peu importe les circonstances ou le domaine, etc. Mais si vous êtes célibataire, fort probable vraiment que vous allez faire une belle rencontre. Alors aussi, n'oubliez pas le conseil de tout à l'heure, patientez, ne précipitez pas les choses, hein. C'est ça le défi, parce qu'effectivement, avec cette énergie-là, on peut être très, très, très emballé. Moi, je vois l'énergie de coup de foudre, si vous voulez, avec cette carte. Et surtout, regardez bien encore, hein, très, très, très beau. Oui, voilà, on a une rapidité ici au niveau des énergies. Ça peut vraiment vous emballer. Ça peut être absolument magnifique, etc. Mais par contre, vous voyez, il faut aussi un peu, voilà, savoir lire les signes, savoir aussi peut-être laisser le temps pour le personne pour agir, etc. Ça, c'est très important, hein. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là au niveau des cartes. Là, franchement, on a des cartes excellentes. Excellente. Alors aussi, écoutez, si vous n'avez pas envie de tomber enceinte, faites attention ce mois-là, parce que les énergies sont très, très, très probables, d'accord ? J'ai vraiment quatre cartes qui me montrent bien vraiment la possibilité de tomber enceinte, d'avoir des enfants. Donc, si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez pour le moment, ben, protégez-vous.
Pour moi, vraiment, même si vous n'attendez pas une rencontre, fort probable vraiment que l'amour va frapper à votre porte ce mois-là et ça peut tout à fait vous surprendre, mes amis, les cancers. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation qui est établie, il peut y avoir des projets d'enfants. Ça peut être aussi un nouveau départ dans votre relation, un déménagement, des investissements ensemble. Ça peut être aussi des voyages aussi que vous allez pouvoir faire ensemble. Je ne sais pas, je vois les États-Unis aussi également, un peu l'Est comme l'Égypte, etc. D'autres cultures, quelque chose d'exotique, hein, quelque chose que vous n'avez pas visité avant, si vous voulez. Maintenant, si vous êtes dans une relation triangulaire, il peut y avoir une bonne évolution ce mois-là. Peut-être aussi après une confrontation que vous pouvez avoir avec votre autre. Ça peut être aussi un ultimatum, évidemment. Je pense qu'il y aura un choix qui peut être fait. On voit bien que c'est une relation quand même, hein, avant tout, elle est basée sur l'amour. Et il peut y avoir ici une évolution qui peut tout à fait vous surprendre. De toute façon, on a la clarté, on a l'amour ici qui est là. J'ai deux cartes qui me parlent de l'amour. Donc peut-être que c'est vraiment ce tirage-là qui va vous confirmer que effectivement votre autre, c'est quelqu'un qui a des sentiments quand même pour vous, même si vous êtes dans une relation triangulaire. Pour moi, c'est un mois très favorable, très agréable. Un mois aussi dans lequel vous pouvez vous attendre à de belles surprises au niveau du cœur. Peut-être déjà des déclarations, des rencontres, un rapprochement entre vous et quelqu'un ou l'idée de passer à un niveau supérieur, hein, avec votre autre. Vraiment, très 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 positive. Mais sinon, si c'est pas de la grossesse qu'il s'agit, ce sont des projets prometteurs. Voilà, des investissements, des achats, des déménagements, vous voyez, vraiment des projets qui seront intéressants et c'est quelque chose aussi qui va vous aider à passer une étape supérieure. Passer vraiment une étape supérieure et ça va vous rassurer parce que là, vous voyez bien que vous êtes dans une relation sérieuse. Voilà pour vous, mes cancers.